Salut! Le vendredi, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, c'est moi, Frédéric Reynal. Je suis créateur de jeux vidéo depuis presque 30 ans maintenant. Et puis j'ai fait des jeux comme Alone in the Dark, Little Big Adventure, Toy Commander. Et un petit retour au Survival Horror aussi, bientôt, dont je vais vous parler. Aujourd'hui, au sommaire, à lire, à voir. Pourquoi on est là, une interview de Julien Merceron qui travaille sur le Fox Engine et les oubliés de la Play Histoire. Mais tout de suite, les news. Retro City Rampage est sorti en 2012 sur à peu près toutes les plateformes du moment. Le jeu de D-Blank Entertainment revient dans quelques jours un peu partout dans une version de luxe. À peu près tout a été revu, de la disposition de l'interface aux missions en passant par les armes ou la difficulté. La caméra est encore plus dynamique et les graphismes peuvent désormais être en rétro plus avec des ombres et des effets d'explosion plus lisses ou un mode 8 bits qui renforcera davantage le côté années 80 du titre. Le passage sur console portable, 3DS et maintenant Vita a obligé le développeur à repenser son interface et la lisibilité du jeu. Par exemple, un triple zoom permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'écran et la minimap est désormais plus grande. Pour cette nouvelle version de luxe, le jeu débarque pour l'occasion sur PS4 et sera cross-buy et cross-save entre les versions PS3, PS4 et Vita. Bref, encore beaucoup de contenu pour un gros dépoussiérage du jeu qui pourrait séduire ceux qui n'auraient pas encore tenté l'aventure rétro proposée par D-Blank. The Next Penelope, dont nous a parlé son créateur, Aurélien Regard, lors d'un extra live diffusé en mars, dispose désormais d'un site officiel. Habilement nommé thenextpenelope.com, avec des tirets entre les mots, ce site permet entre autres de précommander le jeu. Il est annoncé pour la fin d'année sur Windows, Mac et Linux, et début 2015 sur Wii U, voire d'autres consoles. Pour rappel, The Next Penelope est un jeu de course-action old school, vu de dessus. Il permet d'explorer la galaxie à la recherche d'Ulysse, puisque l'on incarne son épouse, Penelope. Celle-ci est une pilote émérite et devra affronter de nombreux adversaires, dont des boss, en utilisant des armes et des bonus variés. Ceux-ci pourront être des classiques boosts ou encore des mines, voire une mécanique de téléportation empruntée à l'excellente série Velocity. L'astuce ? Chaque pouvoir puisera dans la jauge d'énergie du vaisseau piloté, d'où la nécessité de la jouer tactique, histoire de ne pas s'auto-exploser bêtement. Vous avez peut-être noté que les images qui illustrent cette news ne correspondent pas vraiment au rendu visuel jusque-là présenté. Déjà, bravo, vous avez l'œil. Et si ce dernier est exercé, vous aurez peut-être même reconnu le fameux mode 7 de la Super Nintendo, employé sur F-Zero et Super Mario Kart. Il s'agit en fait d'un test de shader en work in progress et potentiellement, qui sait, d'une option de jeu. The Next Penelope, dans sa version classique, ressemble à ça. L'occasion de découvrir l'un des nouveaux pouvoirs à acquérir, qui permet de lancer un grappin pour attirer à soi des éléments de décor et ainsi ouvrir certains raccourcis. Vivement une petite démo jouable, afin que tout le monde puisse se faire sa petite idée sur ce jeu d'arcade pur jus. En plus du très attendu Final Fantasy XV, plusieurs projets de l'univers Final Fantasy avaient été présentés durant le dernier Tokyo Game Show. L'un d'eux, Final Fantasy VII G-Bike, est arrivé récemment sur les smartphones japonais fin octobre. Il s'agit d'un free-to-play qui reprend le concept d'un mini-jeu présent dans Final Fantasy VII. Lorsque Cloud, sur sa moto, détruit du monstre et autres sous-fifres de la Shinra, à grands coups de Buster Sword, sans aucun égard envers le matériel payé par le contribuable. C'est du joli. Pas de date européenne annoncée pour l'instant, pas certain que beaucoup le regrettent vraiment. L'éditeur a annoncé aussi que Final Fantasy Agito devrait arriver sur Vita, toujours au Japon, le 15 janvier prochain. Sorti sur smartphone en mai 2014, le jeu propose un mix étrange entre simulation scolaire et chasse aux gros monstres. Pour son passage sur la portable la plus actuelle de Sony, le jeu devient Agito Plus. Il aura son serveur dédié, distinct de la version smartphone, et une maniabilité revue pour profiter du pad analogique de la Vita. Pas de date non plus en Occident. Agito se passe dans l'univers de Final Fantasy Type-0, intégré plus largement dans l'univers de Fabula Nova Crystallis. Final Fantasy Type-0 qui, lui, dans sa version HD, arrive enfin de par chez nous. Il faudra tout de même attendre jusqu'en mars 2015 pour s'y essayer sur Xbox One et PS4. Le joueur pourra prendre à leur place au sein de l'unité d'élite du Dominion, la classe 0, pour repousser un envahisseur. Encore un peu de patience pour découvrir le conflit des 4 états cristallins en HD. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un Bahamut prendre cher comme ça. Vous venez de voir quelques news ? J'en ai une autre pour vous. Nouvelle société, Gloomywood, et un nouveau jeu, Too Dark, un petit retour au survival horror.
Et oui, ça fait 20 ans maintenant que c'est sorti Alone in the Dark, un peu plus, et j'avais vraiment envie d'y retourner, mais pas faire un survival horror comme tous ceux qu'on voit maintenant, parce qu'ils sont super bien, les survival horror qu'on voit, que ça soit The Evil Within, que ça soit Alien Isolation, que ça soit Amnesia, enfin tous ces jeux-là qui font un super boulot. Je me suis dit, si je refais un survival horror, il faut que je fasse quelque chose de vraiment différent. Alors voilà, Too Dark, ben, on a décidé de faire une sorte de rétro game avec un gameplay un peu old school, un peu style RPG, Zelda-like, mais bon, vous me connaissez, j'ai jamais pu faire les choses comme tout le monde. Alors du coup, c'est une 2D à la Zelda, mais avec plein de shaders, traités par GPU, etc. Les personnages, c'est bien un jeu en 2D parce qu'on peut se déplacer super facilement, c'est facile à jouer, etc. Mais un personnage qui tourne pas à 360, c'est pas bien. Donc du coup, comme j'aime bien mélanger les techniques aussi, comme vous avez vu dans LBA, où il y avait un mélange de 3D isométrique en bitmap avec des personnages en 3D ou Alone avec les décors fixes, et bien là les petits bonhommes c'est des petits bonhommes en voxel qui sont retracés sur l'écran toujours en temps réel et qui du coup peuvent tourner à 360 degrés, ce qui fait que du coup on se retrouve avec une sorte de gameplay très très lisible avec une carte en 2D et on peut se déplacer comme ça dedans en 3D. Ça fait une sorte de rétro look pixel art, mais en même temps comme c'est tout éclairé en shader et que les voxels ils tournent sur eux-mêmes, ça donne quelque chose de assez nouveau aussi. Et je vous invite d'ailleurs, c'est d'aller voir sur mon blog de dev, parce que oui, voilà, en 2014, même les vieux développeurs, ils se mettent à faire comme les jeunes, c'est-à-dire des blogs, des crowdfunding, pardon, des financements participatifs, j'y reviendrai, et comme ça, vous verrez un peu la gueule de mes petites techno maisons. Mais bon, avant de vous parler de ça, maintenant, on regarde à lire à voir. Il y en a pour tous les goûts dans les actus du moment. On fait un tour du côté du simulcast, notamment, sans oublier plein d'autres titres. Du shoujo rafraîchissant, du plus classique, du mecha légendaire, un dernier homme jamais à bout de ressources, des ordres, des pouvoirs spéciaux, de la violence aussi, et de la terreur. Plein de contenu à lire, à voir, et même plus encore. Cela faisait tellement longtemps qu'on attendait un nouveau manga d'Iketani Rikako, c'est enfin chose faite, puisque Six Half, qui date de 2009, est disponible depuis peu chez Delcourt. L'auteur de Lollipop nous offre une histoire avec des personnages toujours originaux, loin des clichés des shoujo mielleux. Elle se penche cette fois sur le thème de l'amnésie, pas évident à première vue. La protagoniste possède un passé qui n'a rien de reluisant, sans compter qu'elle se remet sérieusement en question. Le style graphique de l'auteur peut paraître froid aux premiers abords, mais les traits se développent pour apporter beaucoup de douceur à ses histoires. C'est un plaisir de se retrouver à nouveau dans l'univers de la mangaka. Actuellement chez Wakanim, on peut regarder en simulcast la dernière série de Gundam, Jino Reconquista. Cette série, réalisée par Tomino Yoshiyuki, le créateur original de la saga, prend place dans l'époque suivant l'Universal Century et célèbre les 35 ans de Gundam. Le héros est Belry Zenam, un jeune cadet de l'académie de Capital Guard. On retrouve, comme de coutume dans ces séries, une situation géopolitique tendue avec différentes factions et même des pirates de l'espace. Le robot star du show est le G-Self, une unité expérimentale pilotée par une pirate de l'espace, Aida Rehunton. Seules trois personnes semblent capables de piloter la machine. Aida, la pirate, Lalaya, une jeune fille amnésique, et Belry, notre héros. Pourquoi ? Ce sera à découvrir au fil de la série. Gundam Jino Reconquista est prévu en 26 épisodes que l'on pourra suivre en simulcast chez Wakanim. Avec ce sixième tome de Last Man, c'est un premier cycle qui s'achève pour les aventures de Richard Aldana et du jeune Adrian. C'est dommage, pourrait-on se dire. Et c'est vrai, on trépigne déjà de retrouver leurs prochaines aventures. Mais en même temps, vu le foutoir qu'ils ont mis entre la Vallée des Rois, Paxtown et tous les endroits où ils sont passés, ça fera du dommage collatéral en moins. Et puis, l'équipe de Last Man est beaucoup trop talentueuse. S'ils avaient persisté à ce rythme, il aurait fallu continuer à les couvrir de louanges à chaque volume. Il faut penser un peu à la Rego tout de même. Bonjour, je viens voir Vincent Melville. Vincent Melville ne travaille plus pour l'Institut depuis le mois dernier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis son frère, il ne m'a pas prévenu de son départ. Le signe de l'ogre n'est ni à lire, ni à voir, car c'est un livre uniquement à écouter. Zut, du coup, va peut-être falloir penser à un nouveau nom pour cette rubrique. On est tout de même loin de la série Radio d'Antan. L'histoire, adaptation d'un roman de Julien Lefebvre, est produite et mixée comme une bande-son de film, avec un gros travail de sound design. Il est au début surprenant de s'essayer à l'exercice, mais on s'habitue rapidement au format et les épisodes finissent par passer tout seuls.
L'histoire commence quand Luke Melville rentre chez lui après une longue absence pour découvrir que son frère a disparu. Ce dernier a sans doute été mêlé à une histoire louche et possiblement paranormale. Les voix des personnages pourront vous paraître familières avec par exemple Philippe Valmont dans le rôle du héros. Il a pu être la voix française de James Franco ou encore Christian Bale dans certains films. Au total, la série, segmentée en épisodes de 30 minutes, devrait durer une dizaine d'heures. Pour les curieux, les deux premiers épisodes sont gratuits sur le site de Novelcast, l'éditeur. Une fois tous les 6 mois, en moyenne, chez Saka, on savoure le nouveau volume de Big Order d'Esuno Sakae, l'auteur de Mirai Nikki. C'est toujours aussi plaisant et ça se dévore. Dans ce tome 5, Senna, la sœur d'Eiji, a été enlevée par Genai, qui l'a obligée à sortir de sa stase. Ce qui va permettre de découvrir le caractère de la jeune fille que l'on pensait fragile. Et pendant ce temps, Eiji n'est pas au bout de ses peines. Il a beau posséder un ordre très puissant, ce dernier est loin de pouvoir apporter une solution à tous ses problèmes. Terraform Mars est un manga qui paraît au Japon depuis début 2011. Il présente une autre idée de l'évolution darwinienne, avec des cafards qui ont permis, en quelques siècles, la terraformation de Mars. Les créatures, elles aussi, ont évolué et désormais ne sont guère enclines à laisser les humains s'installer sur leur planète. Le simulcast de la version animée a commencé il y a quelques semaines sur les plateformes Crunchyroll et ADN. Dans sa version animée, le 27e siècle est toujours aussi ultra-violent. Une brutalité représentée de manière plus qu'explicite. Ce qui a eu pour conséquence une censure très lourde pour sa diffusion hertzienne au Japon, malgré son créneau nocturne pour spectateurs avertis. C'est parfois les trois quarts de l'image qui sont cachés par un gros masque noir peu harmonieux. On peut souligner la réactivité de Crunchyroll qui s'est démenée pour avoir accès rapidement à une version non censurée de la série. Avec tout ça, on n'avait pas eu l'occasion de dire ne serait-ce qu'un mot de la dernière série de Watanabe Shinichiro, le papa de Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Mieux vaut tard que jamais. Il est toujours possible de retrouver Terror in Resonance, série en 11 épisodes, sur le portail Wakanim. Deux sphinx posent des énigmes à la police dans un jeu de chat et de la souris captivant. Terrorisme sur fond de menaces nucléaires, un brin de géopolitique, Nakazawa Kazuto au chara-design et Kano Yoko à la musique. Une des meilleures séries de l'été, voire de l'année 2014. Un peu de culture, donc justement, pour rebondir là-dessus, Too Dark, qu'est-ce que c'est l'histoire de Too Dark? Dans Too Dark, vous jouez le rôle d'un profiler, un vieux profiler qui est arrivé quelques sales histoires et qui a décidé de... ses enfants ont été kidnappés par des méchants serial killers. Et en fait, donc, dans ce jeu, vous êtes un vieux profiler qui a décidé de retrouver ses enfants et de dessouder tous les serial killers qu'il peut rencontrer. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous parlais des différences par rapport aux autres survival. Je me suis dit, bon, mais refaire un survival, c'est quoi un survival? C'est un jeu égoïste, on pense qu'à soi, on doit sauver sa peau, envers et contre tout, c'est le principal, c'est de rester vivant. Je me suis dit non, il fallait encore un cran plus loin dans cette volonté de survie. Et qu'est-ce qui peut toucher en particulier les gens, les joueurs qui peuvent avoir des enfants? Et bien c'est justement, il n'y a plus dans Too Dark, il n'y a pas seulement soi à sauver, il y a aussi plein d'enfants kidnappés par des serial killers plus horribles les uns que les autres. Et c'est ça le vrai but du jeu. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure d'un niveau de gameplay extrêmement simple, un peu RPG, Zelda-like, mais ça c'est vraiment la première couche de gameplay, celle à laquelle tout le monde sait jouer. Hein. Ça peut jouer clavier-souris ou dual-stick. Alors c'est pas un dual-stick shooter parce que forcément on n'a pas assez de munitions. J'avais fait ça dans le premier Alone in the Dark et c'est devenu quelque chose qui doit être dans les survival horror. Mais d'ailleurs, à ce propos, je voudrais quand même préciser quelque chose. Jamais mon intention dans Alone in the Dark n'a été qu'il n'y ait pas assez de munitions. Ça, c'est ce qui s'est créé après et dont les gens ont dit que c'était une des particularités des survival horror. Mais en fait, je voulais juste que ça soit pas un shooter. Donc ça, c'était bien clair. Pour moi, c'était plus un jeu d'aventure. Mais en fait, des balles, il y en avait largement suffisamment pour les moments où on était vraiment obligé de les utiliser. Si on lisait bien les bouquins pour trouver les indices, les balles, on en avait mais largement suffisant. Ah, mais c'est sûr que dès qu'on a un gros gun et tout, ça y est, on se prend pour le roi des cowboys. Et on avait tout ça. Ah là oui, si toute sa force elle vient que de là, ça va pas marcher. Dans Too Dark, en fait, c'est pareil. On peut jouer ce jeu un peu comme un cow-boy et arriver et dessouder comme ça un peu tout le monde dans le jeu. Mais en fait, on s'apercevra que c'est largement pas la meilleure solution. Et surtout que, je parlais justement de narratif, donc Too Dark, c'est un jeu d'aventure avant tout. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, donc je parlais, donc Mr. Smith, il s'appelle ce monsieur, vous comprendrez pourquoi plus tard.
et donc il a décidé de sauver les enfants. Donc on est dans une structure de l'aventure, mais chaque serial killer qu'il va traquer et donc il va trouver la maison, chaque maison en fait de chaque serial killer est un environnement complètement dédié. Donc allons-y gaiement, pardon, carrément, c'est des niveaux. En gros, c'est un jeu d'aventure, mais avec des niveaux, parce que quelque chose à laquelle je tenais, c'est-à-dire qu'on puisse y rejouer. C'est-à-dire pour progresser dans l'aventure, chaque fois qu'on découvre une maison d'un serial killer, on doit rentrer dans la maison, sauver les enfants, bien sûr sortir vivant avec le maximum d'enfants, et tuer le serial killer, le méchant boss, pour pouvoir progresser dans l'histoire. Mais il se trouve que la première fois qu'on va jouer, sauver tous les enfants, ça va être assez difficile, il y aura des endroits secrets qu'on connaît pas forcément. Ce qui fait qu'en gros, je voulais faire un jeu d'aventure, parce que j'aime les jeux d'aventure, les Little Big Adventure, Alone in the Dark, pour moi, sont des jeux d'aventure. Mais je voulais qu'on puisse y rejouer comme un RPG, même presque un jeu d'arcade. Et du coup, il y a un score en fait pour chaque niveau. Et si on veut vraiment faire le score perfect, c'est là que le jeu prend toute son ampleur. C'est-à-dire que juste pour y arriver, jouer un peu cow-boy et tirer un peu sur tout ce qui bouge dedans, sauf les enfants, attention, c'est votre score et c'est votre objectif. Mais ça permet de le passer le jeu, on va dire, ça sera assez corsé, mais assez faisable. Mais pour faire 100% dans Too Dark, il faut sauver tous les enfants, sachant que la première fois, on pourra a priori pas tous les trouver parce qu'on connaîtra pas encore tous les trucs du jeu. Qu'ils soient tous parfaitement en bonne santé, que l'on soit soi-même parfaitement en bonne santé, forcément, sinon on a perdu, hein, si on est mort. Et donc tuer le big boss, ça c'est sûr que c'est obligatoire, mais surtout, ne pas tuer d'innocents. C'est-à-dire que si on veut faire un perfect et qu'on veut faire 100% d'un jeu, on n'a pas tué les innocents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va voir Monsieur Lewis et qu'on va rencontrer sa grand-mère, une charmante petite dame qui prépare la viande que son fils lui découpe, elle sait pas trop ce qu'elle fait, la pauvre dame, mais elle, effectivement, chaque fois qu'elle vous voit, elle va appeler son fils, mais en la tuant, voilà, c'est vite réglé. Ben non, ça fera pas le meilleur score. Pour faire le meilleur score, cette petite dame, il faut la laisser tranquille. Et c'est là que Too Dark passe dans un autre niveau de gameplay, le mode en fait infiltration. C'est-à-dire que il va falloir apprendre à bien diriger tous ces petits enfants, parce qu'on a deux commandes. On a la commande chut, taisez-vous. Et les enfants, ils arrêtent de bouger, ils arrêtent de parler. Pas très très longtemps, ils sont pas très disciplinés. Et puis vous suivez-moi quand il faut redémarrer. Ce qui fait que là, si on veut vraiment faire un perfect, on passe pas comme un bulldozer partout dans les décors. On doit se cacher dans le moindre recoin des décors noirs, faire chut, garder ses enfants près de soi pour être sûr qu'ils déclenchent pas des monstres ou des gardes. Et là, pour faire 100%, je vous assure, ça va être un vrai jeu de hardcore gamer. Et donc, voilà, donc c'est les différents niveaux de difficulté. Mais il y a encore autre chose au niveau de la difficulté, parce qu'on se disait que ça allait encore être trop facile. C'est que, je sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de Stockholm. Vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est quand quelqu'un a été kidnappé et que la seule personne qu'il voit pendant plusieurs semaines, mois, années, éventuellement, c'est que le seul lien avec la vie, le monde, la nourriture en particulier, se fait avec son kidnappeur. Et du coup, ça crée des liens. On devient presque amoureux de son kidnappeur. Et malheureusement, c'est ce qui va aussi, au fur et à mesure qu'on avancera dans les niveaux, qui va arriver à ces petits-enfants qu'on doit sauver. Des fois, ils ne voudront pas vraiment être sauvés. Pourquoi le monsieur, il veut m'emmener? Pourquoi le monsieur, il veut m'emmener? Et etc. Donc, il va falloir être un peu dur avec eux. Mais on va aller même encore plus loin que ça. Si vous connaissez, par exemple, un film comme Danny the Dog, où il y aurait peut-être un méchant kidnappeur qui entraîne les enfants depuis qu'ils sont tout petits à être des chiens de combat. Donc là, non seulement eux, ils ne voudront pas être sauvés, mais en plus, ils vont vous attaquer. Donc là, ça va créer quelques paradoxes. Alors, c'est pour ça qu'il y a des commandes spéciales. Je vous parlais des chut et suivez-moi. Parce que dès qu'on touche un enfant, automatiquement, hop, dans ce sens, pour la caméra, il suit automatiquement, tranquillement derrière. Mais ceux qui vont être assez indisciplinés, surtout vers la fin du jeu, on peut carrément les prendre sous les bras pour le tenir. Et comme ça, on est obligé à chaque fois de les mettre dans les endroits, même dans des cages au cas où, qui ont servi aux kidnappeurs. Mais c'est voilà, je vous mets là pour vous stocker, pour pouvoir les ramener progressivement vers la sortie. Là, ça commence à devenir difficile. Et je parle même pas des serial killers qui sont des fous militaires et qui ont entraîné les enfants et voire même qui les ont armés. Et là, vous commencez à comprendre que ça va devenir assez difficile. Et donc, sur ce, maintenant, pourquoi on est là? Les enfants, vous savez pourquoi on est là? Ok les enfants, on va bientôt commencer, mais avant toute chose,
On se fait un petit point Bertrand. Bertrand, situation. Comment ça? Bah avec ta copine. Ça se passe comment? Vous êtes ensemble? Oui, mais je vois pas le rapport avec le travail. Ouais, mon bébé, je savais que tu me lâcherais pas, t'es le meilleur. Bah ouais, on a parié sur ta gueule, voilà, c'est bon. Ça va. C'est à peine humiliant. Shame Center. Ou alors j'ai Lame Center. Attends, tais-toi immédiatement. T'es un amour, Catherine. Si t'étais pas mariée, toi. Enfin bon, Bertrand, fais pas la gueule, il n'en sort que du bon de ta relation. Les autres, Shame Center, tous. Ouais. Center. Oui, bonjour. J'avais rendez-vous à 15h. Oui, c'est au fond. Merci. Bon, franchement, niveau fringues, c'est vraiment pas ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, puis les lunettes des hipsters, ça va pas du tout. Ouais. Faut dire ce qui est, t'as vraiment une gueule de con, de toute façon. Ah, même sans lui. Ouais, et puis la toilette, non, tu laves pas les oreilles, on se coiffe pas le matin. Si, j'avais pas le temps, parce que. T'as vu tes vieux jetards dégueulasses, ça arrange rien. Mais je sais pas. Bah, dis que t'es qu'une merde, répète après moi, regarde. Je suis qu'une merde. Je ne suis qu'une merde. Merde. Ouais. C'est vrai. Je vous dois combien du coup? Maintenant, vous savez pourquoi on est là. Mais justement, pourquoi on est là? Je suis là parce que Alone in the Dark, le survival, et que maintenant, on en refait un autre. Mais justement, je voulais un peu parler de comment, dans Too Dark, on a envie de faire peur. Parce que quand on regarde les graphismes, les visuels qu'on montre, ça, les nouveaux, hein, pas l'ancien du vieux prototype, les nouveaux avec tous les petits éclairages et tout, fait en shader et tout ça, au GPU, se dire, ok, ouais, c'est super, c'est un petit look nouveau, jamais vu, c'est intéressant, mais bon, vous croyez faire peur avec des graphismes comme ça, bitmap, limite pixel art, et ben en fait oui, et peut-être même plus qu'avec des millions de polygones. Parce qu'en fait, déjà dans Alone in the Dark, les monstres ils faisaient 10 polygones. Si vous regardez le jeu maintenant, d'ailleurs quand les jeunes regardent le jeu maintenant, qu'ils comprennent pas qu'à l'époque ce jeu était très très différent, les jeux étaient en 2D, on avait des bonhommes en 3D et tout ça, ça a contribué à ce côté, il n'y a pas que le côté survival horror qui était moderne dans Alone in the Dark, mais bon les monstres faisaient 10 polygones et pourtant, plein de gens ont eu très 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 peur dans ce jeu. Donc il y a bien quelque chose quelque part. Alors on va dire, bien sûr, on utilise le côté narratif, les peurs psychologiques du cinéma, tous ces trucs qu'on connaît qui créent de l'empathie avec le héros, etc., etc. Mais en fait, il y a autre chose de bien plus important que j'avais compris dans Alone et qui va beaucoup servir aussi dans Too Dark. C'est qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on joue à un jeu vidéo, on a beau avoir n'importe quel écran, n'importe quoi, très bien, on reste à manipuler le jeu à travers une interface. On a un clavier ou une souris ou une manette. Et ça, de toute façon, ça crée quelque part une distance. Alors oui, les bons jeux, c'est ceux où on oublie qu'on a une manette et on est complètement dedans. Mais oui, c'est bien de faire oublier au joueur qu'il est en train de jouer, mais ça n'empêche pas que c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en gros, cette manette, et même peut-être le fil, bon, les manettes sans fil, on va dire avec le fil, hein, bon, ça va, hein, avec le fil, eh bien, on fait passer dans des deux sens, le jeu vers soi et soi vers le jeu par ce tout petit bout de fil. Quelque part, il manque des impressions, le son, les odeurs. Enfin, le son, il y est bien sûr dans le jeu, mais c'est pas comme le son qu'on a dans la vraie vie. Les odeurs, tout, les bruits de l'air, la chaleur, toutes ces choses-là. Et ça marche dans les deux sens. Moi, si je veux bouger, faire ci, tenir ça avec une main et tenir l'autre comme ça, etc., on peut pas vraiment le faire. Donc, il y a bien quand même quelque part un truc extrêmement réducteur, là, ce petit fil comme ça au milieu entre les deux. Eh bien en fait j'avais compris ça dans Alone et c'est pour ça que je me suis dit bon ben qu'est-ce que fait le joueur 80% de son temps, c'est un jeu d'aventure, il se déplace. Et ça faut pas l'oublier quand même, on n'est pas juste là dans une maison, on oublie qu'on marche dans la rue, etc. Dans un jeu, on marche longtemps, hein. 80% du temps on se déplace. Et là c'est ça que je me suis dit, et c'est là que ça a commencé ce début d'idée qui a enchaîné sur plein. Si on se déplace dans un jeu comme ça aussi souvent, eh bien, il faut faire peur au joueur sur ce qu'il fait concrètement, à commencer par se déplacer. C'est pour ça que dans Alone in the Dark, là, le premier couloir qu'on rencontre, on avance tranquillement, en train de marcher, et puis hop, on tombe dans un trou, on est mort. Ça, normalement, dans les jeux, déjà à l'époque, on disait jamais dans un jeu, on fait mourir le personnage sans qu'il puisse l'éviter, sans qu'il y ait quelque chose à faire. Pourquoi ça? Eh bien ça, en fait, ça marchait vachement bien, parce que maintenant, à partir du moment où on est déjà mort une fois, juste en traversant un couloir, et bien partout en marchant, on va se dire « Oh là là, mais ça se trouve n'importe quel moment, je vais mourir juste comme ça. » Alors du coup, les joueurs se mettaient à regarder, à chercher le moindre pixel de travers. Fait que « Là, il y a un petit pixel de travers, attention, c'est un trou. »
En fait, ça y était qu'une seule fois dans le jeu. Mais ça suffisait. Et en fait, ça, ce truc-là, d'imposer comme ça des craintes, ça a été utilisé à plein d'autres endroits. La deuxième porte qu'on ouvre, ah, un monstre qui nous saute dessus derrière. Oh là là, c'est quoi ce jeu? J'ai plein de portes à ouvrir dans un jeu d'aventure dans une maison, on a plein de portes à ouvrir. Et il peut y avoir des monstres d'ailleurs qui nous sautent sur la figure. Bon, d'accord, du coup, maintenant, chaque fois que je vais ouvrir une porte, je vais avoir peur. Pareil pour des livres. Dans Alone, comme je disais tout à l'heure avec le côté narratif, il fallait lire des textes pour découvrir les astuces, comment passer les monstres, comment etc. Il y a un livre, à un moment, il est maudit, on l'ouvre, on meurt. C'est vraiment... Quand j'y pense en plus maintenant, c'était quand même vachement osé quand même. Mais du coup, ça marche aussi, c'est qu'en gros, on est obligé dans le jeu de lire des livres, c'est un truc important, et on va pouvoir mourir en allant cliquer sur un objet d'inventaire. Donc comme ça, d'un seul coup, enfin d'un seul coup non, par toutes ces petites touches, ces petits plantings qui étaient mis dans le jeu, on crée comme ça une atmosphère. En fait, le mot, c'est imprévisible. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand, on se donne le droit de tuer le joueur, juste parce que, alors, il y a toujours une explication narrative, une vieille maison, le plancher peut craquer, un livre maudit, c'est connu, on peut très bien mourir en lisant un livre maudit, personne ne me contredira. Et donc voilà, donc il y avait des astuces, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que dans Too Dark, on a beau avoir des graphismes qui sont très très décalés par rapport aux propos des serial killers, kidnappeurs d'enfants, qui c'est très très lourd, très très sombre, et il y a un petit décalage comme ça graphique qui fait que oh, c'est joli, un petit enfant de 12 voxels de haut, quand il est coupé en deux, ça fait 2 × 6 voxels, c'est pas super effrayant. Sauf que, comme c'est les enfants qu'on a besoin de sauver dans le jeu, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de pas bien. Mais là où ça marche aussi super bien, et ça on l'a déjà vu avec les playtests qu'on a fait, c'est qu'en gros, on prend un joueur hardcore gamer, PC, World of Warcraft, LOL, enfin tout ce que vous voulez, et tout, il arrive sur le jeu, etc. Il n'y a pas d'enfant encore, hein, les enfants, c'est oh, c'est super rigolo. En général, la réaction qu'on rencontre la première fois, c'est que ce genre de joueur, sadique, essaye d'abord, un peu comme dans les Sims, quand on enlève l'échelle de la piscine, de trouver tous les moyens de comment on fait mourir ces pauvres petits enfants. Il faut pas, hein, c'est pas le but du jeu, ça fait des scores négatifs. Si on sort de la maison avec pas d'enfants sauvés, on se fait même insulter. Donc il faut vraiment s'occuper de ces enfants. Mais là, c'est vrai que, comme c'est l'objectif du jeu, le joueur après qui a envie de jouer, donc il va se mettre dans le bon moule du jeu, mais au début, c'est surtout très très rigolo de voir un petit enfant qui passe un piège à loup, des enfants qui tombent dans des trous, s'amuser. Par contre, et là où ça devient très très intéressant, je m'adresse aux gens qui ont pu jouer à Alone in the Dark il y a 20 ans, qui maintenant ont sûrement des enfants. D'un seul coup, les réactions sont radicalement différentes. C'est-à-dire que même si c'est des petits bouts de voxels d'enfants, qui ressemblent des fois même pas trop à un enfant, c'est que justement, si dans l'histoire, dans ce qu'on est en train de faire, c'est des enfants, et d'un seul coup, le moindre dégât causé par un monstre qui passait, un projectile ou quoi que ce soit, « Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» et tout ça, avec même envie de « Ah, celui-là, il est mort, je recommence, je recommence !» Mais non, c'est pas grave, il y a du score, c'est une sorte de marchandise un peu après en termes de gameplay réellement. Mais là, les réactions qu'on rencontre des gens qui ont des enfants, il y a une sorte d'instinct de survie, de protection, l'instinct, je sais pas comment, paternel, non, ça c'est pour les parents et les pères. Enfin bref, et radicalement, d'un seul coup, ces petits bonhommes en voxel, où pourtant les graphismes sont assez décalés par rapport à la réalité, eh ben, ça devient assez, assez horrible. Et surtout, on se sent complètement investi d'une vraie mission, sauver les enfants. C'est même plus un jeu, c'est quelque chose d'extrêmement naturel dès qu'on a des enfants. Et ça, au niveau de l'ambiance, je vous assure que les petits bouts de graphisme en pixel art, vous allez les voir très 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 différemment. Enfin bref, maintenant, une interview de Julien Merceron qui travaille sur le Fox Engine. C'est sur le stand Konami de la Paris Games Week que nous avons pu rencontrer et poser des questions à Julien Merceron, un technicien hors pair qui a contribué à faire évoluer de façon drastique les moteurs des jeux de tous les éditeurs pour qui il a travaillé. Mais laissons-le se présenter et nous parler de son brillant parcours. Je suis Julien Merceron, je travaille chez Konami en tant que directeur technique monde. J'ai commencé il y a à peu près 22 ans maintenant chez Ubisoft en tant que programmeur. Après des études, je dirais plutôt scientifiques, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, etc. C'est comme ça, en tout cas à l'époque, qu'on arrivait dans le jeu vidéo, l'autre manière c'était d'avoir fait en tant qu'étudiant ou même avant d'avoir commencé à travailler soi-même sur des projets de jeux vidéo. Il y avait à peu près les deux filières. Moi j'ai pris la filière école d'ingénieur et donc j'ai commencé comme programmeur, puis devenu directeur technique. Et ensuite en 99, je suis devenu responsable des technologies chez Ubisoft. C'était à l'époque des Splinter Cell,
des Prince of Persia, des Rainbow Six et des Ghost Recon. Ensuite, on a eu Assassin's Creed. Et en 2006, je suis parti chez Eidos pour travailler sur Tomb Raider, Hitman, toujours au niveau de la direction des technologies monde. Puis ensuite sur Deus Ex Human Revolution. À partir de 2009, j'ai pu travailler avec Square Enix au Japon, donc Final Fantasy XIII, puis aussi Agnès Philosophy, FF14, Realm Reborn, travailler sur Dragon Quest, etc. Qui a été en fait mes premiers pas au Japon en tant que développeur. J'ai adoré, j'ai commencé à rencontrer plein de développeurs japonais, dont aussi Hideo Kojima. Et avec Hideo Kojima, on s'était toujours dit, on va trouver un moyen de travailler ensemble. Et l'année dernière, en fait, j'avais fini pas mal de mes gros travaux chez Square Enix. Et on a décidé que c'était le bon moment. Je les ai rejoints donc en octobre de l'année dernière. Le boulot actuel de Julien au sein de Konami touche donc essentiellement à la gestion et l'évolution du moteur Fox Engine, utilisé par l'éditeur et Kojima Prod. Il travaille ainsi de concert avec la direction du groupe, de manière à ce que cette technologie puisse assumer leurs ambitions liées au développement de telle ou telle marque. Et bien évidemment, il y a le travail avec les équipes de développement, qui consiste à adapter le moteur à leurs besoins, qu'ils bossent sur un survival horror, un jeu d'infiltration open world ou une simulation de foot comme PES. Je travaille avec une équipe de gens extrêmement talentueux sur les problèmes d'architecture, sur les problématiques aussi de planning, pour délivrer en temps et en heure les fonctionnalités, mais qu'elles soient mises en place de manière à ce que ce soit réellement des solutions implémentées pour les jeux. Qu'est-ce que je fais à part ça ? Eh ben, je lis beaucoup de papiers de recherche pour savoir un petit peu où en est l'état de l'art, où en sont les choses. Je regarde pas trop les moteurs de la concurrence parce que si on se met à suivre les moteurs de la concurrence, eh ben, on se retrouve derrière en permanence. Donc je préfère en fait regarder l'état de l'art, l'état de la recherche pour aller beaucoup plus loin, pour aller plus vite. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec le Fox aujourd'hui, ben, on en est là où on est aujourd'hui. Le Fox Engine, comme tous les moteurs récents, permet bien évidemment de faire de beaux jeux. Pourtant, sur les premiers titres next-gen sortis sur PS4 et Xbox One, on a pu constater que les jeux étaient plus jolis, certes, mais que l'animation et le reste, l'intelligence artificielle par exemple, semblaient comme figés dans le temps. Un des grands problèmes de la next-gen, c'est que faire des améliorations graphiques est à la portée, mettons, de 70% des développeurs. Faire des améliorations au niveau des systèmes d'animation et d'intelligence artificielle, c'est à la portée de 20% des développeurs, même pas. Donc, sur beaucoup de jeux, on commence à avoir des graphismes, je dirais, qui s'en vont vers le photoréalisme ou même l'hyperréalisme. De l'autre côté, les personnages n'évoluent pas en qualité d'animation. Et donc, avec des graphismes qui n'étaient pas aussi brillants qu'aujourd'hui, ça passait encore. Mais aujourd'hui, ils commencent à ressembler à des robots. On commence à avoir une impression un peu bizarre par rapport à ces personnages-là. Et quand on n'a pas une bonne adéquation, une bonne cohérence entre le niveau de simulation et le niveau graphique, on se retrouve avec un problème d'immersion. Et évidemment, quand on commence à raconter une histoire avec des personnages importants, on n'y croit plus à ces personnages-là. Il faut trouver le bon niveau. Donc, il y a des défis technologiques extrêmement importants ici. C'est normal que les premiers jeux aient des problèmes sur l'animation et l'intelligence artificielle parce que c'est plus facile d'améliorer les graphismes que le reste. Je pense qu'on va avoir une sérieuse évolution au niveau de l'animation et de l'IA par une grande partie des développeurs par la suite. Nous, c'est sûr que sur le Fox Engine, on a tout de suite décidé de partir dans des directions au niveau intelligence artificielle et animation qui permettent de mettre des acteurs à l'intérieur du jeu. On savait qu'avec l'hyperréalisme et le photoréalisme, il allait falloir avoir des personnages à la hauteur. Et donc, on savait que le défi, c'était maintenant et tout de suite. Il est vrai que dans le jeu vidéo, les choses vont vite. Alors que le 1080p se démocratise seulement, on parle depuis quelques années de 4K, voire depuis quelques temps de 5K, une résolution de 5120 par 2880, du 2880p donc, disponible sur les nouveaux iMac par exemple. Les débats relatifs à la résolution sont pour moi un peu des faux débats. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le 60 images par seconde. Ça, c'est fondamental pour le joueur d'avoir un contrôle qui soit immédiat et direct sur le jeu. Ensuite,
pour moi, ce qui est important, c'est la créativité, c'est la qualité, c'est la quantité de ce qu'on va mettre dans un jeu. La bonne résolution, c'est la résolution qui permet le bon niveau d'immersion du joueur et qui permet au joueur d'avoir du fun. Ah, le 60 images par seconde, je n'ai même pas eu besoin de poser la question. Il a abordé de lui-même cet élément essentiel au jeu vidéo. Mais essentiel pourquoi ? Écoutons la réponse d'un spécialiste. Le 60 images par seconde est extrêmement important. Le monde du cinéma travaille en 24 images par seconde. Le monde de la télé travaille en 25. Mais en fait, l'œil est capable de percevoir beaucoup plus finement que ça. Certaines personnes arrivent même à percevoir jusqu'à 100 images par seconde. Après, ça devient difficile. Après, ça devient très, très difficile. Il y a quelques humains qui sont peut-être capables de voir un peu au-delà, mais on couvre quasiment 99% des humains en allant jusqu'à 100. Donc, 60 images par seconde, c'est bien aujourd'hui, c'est un peu le maximum, je pense qu'on peut faire aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on verra un jour des jeux qui iront jusqu'au 100. Après, je pense qu'on s'arrêtera. Au niveau du framerate, on sera bon. La raison pour laquelle ça a une véritable influence, c'est que certains d'entre nous sont capables d'avoir une connexion main-cerveau-œil qui réagit aux 60 et même, comme je disais, au-delà. Donc à partir du moment où un jeu met un petit peu de latence entre le visuel et le contrôle, le joueur a un problème. Le joueur a un problème parce qu'il effectue une action, il s'attend à une réponse qu'il n'a pas. Cela fait qu'au niveau du cerveau, la réponse qu'il attendait ne se passe pas. Et du coup, il a une nouvelle réaction sur le contrôleur qui certainement contrebalance négativement ce qu'il venait d'essayer de faire. Au final, le contrôle n'est pas aussi bon que s'il avait un temps de réponse qui était en adéquation avec sa coordination main-œil. Voilà, le 60 images par seconde s'apprécie manette en main, mais son histoire fut compliquée. Sur PS3 et 360, la norme a ainsi switché, les développeurs misant avant tout sur la qualité graphique pour privilégier le 30 images par seconde au détriment du 60. Mais les choses pourraient changer. En tout cas, on l'espère, et nous ne sommes pas les seuls. La preuve avec Julien Marceron, à qui nous allons laisser le mot de la fin. Moi, en fait, j'ai beaucoup d'espoir par rapport au retour du 60 images par seconde, parce que je vois tellement de développeurs, j'interagis avec tellement de développeurs qui me disent à quel point ils ont cette même sensibilité. Pour eux, 60 images par seconde, plus important que la résolution. Et je pense que ça va l'emporter. Je suis optimiste par rapport à ça. Alors, vous allez me demander, pourquoi faire une campagne de financement participatif, et en particulier sur Ulule ? Alors, il y a plein de raisons. Et en fait, je vais carrément recommencer au début de ma vie. N'ayez pas peur, je vais essayer de faire moins de 3 heures. Donc, en fait, quand j'étais tout petit, 10 ans et par là, je devais peut-être avoir quelques petits problèmes dans ma tête. Vous allez me dire, ça se voit encore. Désolé. Et en fait, donc bref, j'avais trouvé que pour avoir un sujet de conversation avec mes amis, mes copains d'enfance, je faisais des jeux. Parce que j'ai trouvé que c'était super. Alors, je découpais des trucs avec du carton, des dés, des bouts de pions de soldats, de petites bagnoles, des fléchettes, des trucs à lancer. Et comme ça, le mercredi ou le samedi après-midi, je faisais des jeux, je faisais jouer mes copains, et puis voilà, et puis on participait ensemble, là, on va comme si, ça faisait des jeux, c'était vachement sympa. Et j'avais des feedbacks aussi immédiats, vous me voyez venir, hein, des feedbacks assez évidents. En fait, après, quand j'étais un petit peu plus vieux, j'ai pris des cours d'électronique, après je suis tombé sur, en 1981, enfin j'ai connu l'informatique avant, mais mon premier ordinateur personnel, un ZX81. Ça a été la révélation. Alors là, c'est une claque pas possible. J'avais l'impression d'être un peintre qui trouve un pinceau ou un sculpteur qui trouve un marteau et un burin. J'avais trouvé une machine pour faire des jeux. J'ai dit, mais c'est absolument génial, on va pouvoir faire des jeux plutôt que découper des trucs, faire bouger les pions à la main, faire la banque au Monopoly. C'est une machine qui fait la banque au Monopoly toute seule. C'était juste carrément génial. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ? Mais j'ai fait des jeux pour mes copains, comme d'habitude. Et du coup, le samedi ou le mercredi après-midi, j'avais tapé mon petit bout de jeu et je faisais jouer aux copains.
Et toujours, on joue aux copains, et non, ça c'est nul, ça c'est bien, le merde bon jeu, et nous, ah ouais, ça c'est cool, on s'amuse bien, etc. Ça se voyait immédiatement, surtout que c'était des tout petits jeux, hein, qui se faisaient en quelques heures, et enfin qui se programmaient en quelques heures. Et donc voilà, donc j'avais toujours cet esprit de faire les jeux. Et toute ma vie d'ailleurs, je vais quand même accélérer un peu, sinon ça va vraiment durer 3 heures. Et en fait, toute ma vie derrière, j'ai fait des jeux pour ça. J'ai fait des jeux pour faire jouer mes copains. Alors, j'ai un peu plus de copains dans le monde maintenant, à droite, à gauche. Mais il se passe un truc, c'est que par exemple, on va reprendre Alone in the Dark, 1992, il n'y avait pas Internet. Et l'internet vraiment répandu, en gros, c'est début 2000, quoi. Et qu'est-ce qui se passait? On faisait un jeu, on mettait dans sa boîte, on avait l'éditeur. Voilà, monsieur, j'ai fini mon jeu, prenez la boîte. L'éditeur, il prenait la boîte. Après, il prenait son vélo, il allait mettre dans les magasins les boîtes pour les vendre. Et puis, voilà, et on regardait. Ah, ça se vend bien, bah, c'est que ça doit être bien. Ça se vend pas bien, c'est que c'est pas bien. Et puis sinon, les feedbacks, on les avait des journalistes. Les journalistes, ils testaient le jeu. Donc, du coup, on prenait le journal. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent du jeu? Qu'est-ce qu'ils pensent du jeu? Ah, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien. Mais voilà, quoi, on avait des feedbacks de journalistes, et en fait pas du tout des joueurs. Et en fait maintenant, depuis internet et tout ça, j'ai des feedbacks de Little Big Adventure fait en 94, The Dark en 92, Little Big Adventure 2 en 1997, et je n'ai des feedbacks, et, enfin je n'ai que depuis quelques années, des feedbacks des joueurs qui disent « Ah mais j'ai adoré ce là, je me suis senti comme ça, ça m'a créé ça, oh, et waouh, mais c'est extraordinaire !» Et je me suis dit mais voilà, c'est que juste mes amis ont différé, ils avaient perdu mon adresse ou mon numéro de téléphone, maintenant je le sais. Et du coup, voilà, une des raisons de la campagne Ulule, il y a aussi, ça je vais la faire rapide, ça là, une sorte d'indépendance financière. Si on marche sur la campagne, c'est toujours un petit peu plus de sous pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps encore pour faire les choses comme on a envie de les faire avant d'avoir besoin de demander des sous à un éditeur, qui souvent est synonyme de « oui, mais l'éditeur a son mot à dire ». Donc plus on est indépendant, plus on fait le jeu comme on a envie de le faire. Mais surtout, et c'est là que je compte sur vous tous, venez sur ulule.fr/toodark hein, pour nous aider, ou spammer vos amis, etc. Parce que justement, j'ai envie que cette communauté-là, dès les premières contreparties, les joueurs auront accès à l'alpha et la bêta et au forum de design. Ça, c'est un petit peu plus loin, je crois, dans les contreparties, au forum de design participatif. Parce que voilà, j'ai toujours fait des jeux pour mes amis, j'ai toujours était très très demandeur de feedback. Forcément, quand on veut faire plaisir à ses amis, ce qu'on a envie de la meilleure récompense, c'est que ça marche et qu'il soit content de jouer. Ça, c'est la meilleure réponse quand on crée des jeux. C'est « je m'amuse avec ton jeu », voilà, point, ça suffit. Bon, après, c'est bien de gagner des sous aussi. Mais ça, c'est vraiment la motivation première. Et du coup, en faisant cette campagne, comme ça, on veut faire une grosse bande de copains qui va venir discuter sur le forum, j'aime ci, j'aime ça. Alors, vous n'êtes pas obligés non plus, hein, parce que en racontant ça à quelques... amis qui me disaient « oui mais non, moi je veux pas voir l'alpha, je veux surtout pas être spoilé ou voir des trucs qui marchent pas encore », ça sera comme vous voulez, il y aura justement des trucs prévus pour vous voulez voir ci, vous voulez voir ça, etc. pour que chacun y trouve son compte, vous soyez pas complètement spoilé et tout ça. Et ça pour moi, je vous assure, c'est quelque chose de vraiment vraiment important. C'est que voilà, j'ai envie de toutes mes amies justement, là, et même tous ceux que je connais pas, qu'on soit assez proches et qu'on puisse vraiment faire ce jeu ensemble. Donc voilà, soutenez-nous ou parlez-en à vos amis, venez nous aider pour faire tout Dark, le meilleur jeu du monde, merci. Donc voilà, et justement, c'est parce que c'est aussi pour pas être oublié, ça c'est juste pour faire la petite trace pour maintenant annoncer les oubliés de la Play Histoire. Mes chers enfants, avant de commencer, j'ai une petite question. Quel est pour vous l'animal ou l'insecte le plus répugnant qui existe? 3DS? Ah, moi aussi j'ai horreur de ça. Xbox? J'ai dit insecte ou animaux répugnants. C'est pas bien de citer comme ça tes petites camarades consoles. Demande pardon à la PS4 ou je te mets une heure de colle. Je vous demandais ça car aujourd'hui, attendez-vous à du jamais vu dans un jeu vidéo. Datant de 1996 et sorti initialement sur PC et Macintosh, Banmojo s'amusera à jouer avec vos petites phobies. Non pas que ce titre fasse peur, hein, non, loin de là. C'est juste qu'il est répugnant à bien des égards. Ici, vous allez devoir contrôler un cafard rampant dans son état naturel. Bienvenue dans un monde crasseux et lugubre. Avant d'entrer dans les détails peu ragoûtants, attardons-nous tout d'abord sur l'intrigue du jeu. En tout début de partie, vous faites la connaissance de votre avatar, un chercheur raté spécialisé dans les insecticides, Roger Sams. Votre vie a toujours été un calvaire,
vous êtes dernier en tout, tout le monde vous méprise, votre épouse est décédée prématurément, votre carrière de chercheur n'aboutit à rien et vous êtes endetté. Vous vivez désormais dans un petit hôtel minable et miteux, tenu par un gérant très près de ses sous et irascible. Il est où mon foutu loyer, Sam ? Vous l'aurez demain matin, votre loyer. T'as 3 jours de retard, faut me payer maintenant. Bref, la loose totale. Mais vous avez désormais confiance en l'avenir, car vous êtes parvenu à récupérer une masse d'argent sale, désormais blanchie, et vous vous apprêtez à prendre la poudre d'escampette, direction les îles du Pacifique. Et je me prélasserai au soleil grâce à mon super coup. Oui, iPhone ? Un happy end ? Non, non, on n'en est toujours qu'à l'intro du jeu. C'est maintenant que ça se complique. Au moment où Roger s'apprête à boucler ses valises et s'empare d'un étrange médaillon autrefois remis par sa défunte mère, l'objet va alors lui lancer un sort le transformant en ce qu'il a toujours combattu en tant que chercheur, un immonde cafard. À partir de là, vous pénétrez dans Bad Mojo, un titre aussi glauque qu'original. Vous allez devoir partir en quête de votre identité et parcourir l'hôtel en vue de dessus à la recherche de vos souvenirs. Ces souvenirs se déclenchent automatiquement en vidéo lorsque vous passez à certains endroits ou que vous parvenez à résoudre des énigmes. Pouvez-vous nous dire où vous avez eu l'argent ? J'aimerais bien. En fait, seul un auto-examen complet de votre état psychique, par le biais des réminiscences de votre passé, vous permettra de retrouver votre apparence normale. Bixbox. Ouais, il est indéniable que les développeurs du studio Pulse Entertainment se sont inspirés de la nouvelle fantastique La Métamorphose de Franz Kafka. Non seulement la thématique s'en rapproche, mais aussi le nom des héros. Roger Sams est presque un anagramme de Gregor Samsa, du texte original. Sachant cela, loin de nous néanmoins l'idée d'analyser cette production vidéoludique d'un point de vue psychologique ou psychiatrique. Tout comme l'œuvre à laquelle elle fait référence, cette production est certainement une allégorie que le joueur pourra interpréter à sa guise. Mais indéniablement, cela donne à ce titre un cachet particulièrement intéressant. En contrôlant un cafard à l'animation très réaliste, vous allez découvrir le monde sous un angle particulièrement inédit. Celui de la crasse, du délabrement de l'âme le plus total et des immondices du quotidien. La chambre et l'hôtel dans lequel vous résidez sont un amoncellement de détritus tous plus dégoûtants les uns que les autres. Les murs sont sales, les sols sont jonchés d'insectes morts, de toiles d'araignées poussiéreuses et de résidus alimentaires indéterminés. Les graphismes photoréalistes statiques à la Resident Evil offrent une ambiance malsaine particulièrement saisissante. Oui, mes enfants, on frôle le dégoût visuel. Surtout que dans cet environnement pour le moins immonde, tout est danger. Et ces dangers seront pour le joueur que vous êtes autant de puzzles ou d'exercices d'adresse à franchir. Par exemple, comment réussir à éteindre un aspirateur laissé allumé par négligence et qui pourrait vous aspirer quand vous vous en approchez ? Voilà une épreuve difficile pour le cafard que vous êtes devenu. Oui, je t'écoute. Exactement, Bad Mojo est un jeu d'aventure parsemé de puzzles plus ou moins complexes. En voici quelques-uns. Déjà, un très simple. Dans cet écran, vous voyez qu'une araignée vous barre la route. Heureusement, pour l'éliminer, vous pouvez pivoter le mégot que le gérant a jeté quelques secondes plus tôt. Ailleurs, dans le jeu, on vous demandera de passer à l'intérieur d'un piège à cafards. Mais pour éviter de mourir sur les zones hyper collantes, vous devrez vous frayer un chemin sur les cadavres d'autres cafards. Plus loin, parmi les énigmes un peu plus compliquées, vous devrez par exemple trouver un moyen d'endormir votre logeur. Et la solution se trouve sur la radio près du lit. Vous devrez alors grimper sur l'appareil, éjecter un somnifère de la boîte et pousser le médicament jusqu'à l'intérieur de la canette. Ensuite, vous verrez l'homme tomber de fatigue, laissant le chemin libre pour passer dans une autre pièce de l'hôtel. Si vous devrez faire attention aux liquides, aux chats, aux rats et bien d'autres pièges tordus du quotidien, vous pourrez néanmoins compter sur d'autres bêtes pour vous donner des indices. Ces indices sont donnés de façon assez énigmatique et accompagnés de vidéos parfois totalement psychédéliques, ajoutant davantage de malaise dans cette production vraiment très forte. Tu la trouveras dans la cave. Tu la croiseras si tu rentres, sous le géant endormi. La dernière particularité de Bad Mojo est son système de contrôle. Ici, l'exploration ainsi que la résolution des énigmes ne se fait qu'avec les 4 touches directionnelles de votre clavier. Pas d'inventaire, pas de bouton d'action, tout est ici réduit au strict minimum. Après tout, un cafard, ça n'a pas de poche ou de sac à dos. Et hormis se déplacer, manger ou se reproduire, ça ne fait pas grand-chose d'autre. Sorti il y a près de 20 ans sur PC et Mac, Bad Mojo a tenté de faire un retour il y a peu sur Steam, mais il s'est rapidement retrouvé noyé dans la masse de jeux sur ce support.
Injustement oublié aujourd'hui, ce titre proposait vraiment quelque chose d'inédit, aussi bien au niveau de l'univers, du scénario que de l'interface de contrôle épurée. Bad Mojo mérite qu'on lui donne sa chance, en dépit d'énigmes parfois très compliquées sans aide extérieure. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, eh ben vous me ferez le plaisir de nettoyer cette salle de fond en comble. Et je veux que ça brille. Non, parce que les cafards, hein, je les accepte sans problème dans un jeu vidéo. Mais IRL, non, joker. Alors voilà, cette émission touche bientôt à sa fin. Mais je voulais rajouter un petit truc par rapport à, et peut-être vous dire, pour ceux qui connaissent, pourquoi Ulule, qui est très français, et pas Kickstarter, qui est américain, mais beaucoup plus gros. Il y a des gros jeux extraordinaires qui ont été financés à Kickstarter. Mais c'est parce que, mon collègue Thierry Platon, qui fait partie des murs des jeux vidéo aussi depuis 25 ans, on avait envie vraiment de revendiquer qu'on est français, une équipe de jeux française, où on aura tout le monde dans son petit bureau à travailler ensemble, une petite équipe, comme on faisait dans les années 90, où justement, la French Touch, il y avait des gens comme mes amis, Eric Chahi, Michel Ancel, Paul Cuisset, on faisait des jeux qui donnaient une image de la France dans le monde entier. Après, le mot, malheureusement, est devenu un peu péjoratif, et puis il y a même des jeux français qui sont très très bien, mais qui ne revendiquent pas forcément qu'ils sont français. Donc voilà, donc aussi, Ulule.fr, parce que justement, un petit cocorico et de dire, voilà, on est fiers d'être français et on a envie de montrer que la France est capable, j'espère, de faire des bons jeux. Donc voilà, venez vraiment, vraiment nous filer un coup de main sur cette campagne, parce que vous imaginez qu'on puisse rater ça quand même, franchement, ça serait... Puis d'ailleurs, je crois que si on rate ça, en fait, vous ne me reverrez plus jamais. Au revoir.